Non, c'est pas ça, ça fait plaisir de voir un gros con vraiment du coup parce que en fait j'ai pas l'habitude, ça fait tellement tout. Et puis aider les autres, on peut faire ça. Bonjour. Vous voulez vendre combien les jeux? En général, ça peut aller jusqu'à 5 euros, après ça à voir. Ouais. Vous en avez d'autres ou vous avez tout mis ici? Non, j'ai tout mis ici. D'accord. Là, mais... Oh non, mais je prends là, je pas les DVD, j'y prends pas une seconde. Je prends pas une seconde, c'est pour la gloire. Ça, peut-être que... Faudra essayer de... ramener la voiture. Ouais, bah attends, hein. Laisse-moi pas toute seule. Oui, c'est moi qui vais la ramener. Parce que là... Bonjour, en jeu vidéo, vous avez tout sorti ouais, ou... Ouais, et là, il y a une Xbox qui est... D'accord. Une vieille Xbox qui a un problème de LED. Ok. Les jeux tout seuls, vous les vendez combien? 4 euros le CD. Ok. Et 4 les Dreamcast et 2 les PlayStation. Ok. Et ceux-là, vous les vendez combien? 10 euros. Les... 10 euros. Bonjour. C'est combien? Combien? Vous prenez quoi? Bah tout. C'est combien le lot? Je crois 5 euros. Combien? 5 euros. Ça, ouais. Vous en avez d'autres? Non. Non, avec celle-là. Ok. Les merci. Si la collection de livres Harry Potter. Je peux pas regarder? Bien sûr. J'essaie de vous l'ouvrir. D'accord. Vous vendez ça combien? 20 euros. C'est un coffret qu'en vaut 70, 80. Je sais pas comment vous l'avez ouvert, du coup. j'ai pas compris le principe. Comme ça. Ah oui, c'est moi qui me suis trompé. D'accord. Je croyais. Oui, je l'avais tourné dedans. Ouais. À 15 euros, ça vous dirait? Oui. Ouais. Ok, je vous le prends. Alors, il y a juste la boîte. Juste ça. Oui, bonjour à tous. On n'a pas le reste, on a juste la boîte. Chaleur, ça sera la chaleur humaine. Et puis, on se retient du coup. Il a dû prendre la prise. C'est quoi, c'est un puzzle game, c'est ça? Oui, c'est une sorte de Candy Crush mais avec des diamants. Ah ok. Et vous le vendez combien? 2 euros. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver enfin pour une vidéo vide grenier live. Enfin, la première de 2023. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas mon premier vide grenier, c'est mon deuxième vide grenier de 2023. La semaine dernière j'en ai fait un, c'était annoncé sur un parking
d'un magasin. Je me souviens plus trop. Alors, ce premier vide-grenier, il n'y avait rien. Hein. L'organisateur, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a tardé à faire installer les gens qui venaient vendre. Moi, je suis arrivé sur place à 7h, 7h30 dans ces eaux-là. Et il y avait toujours personne sur ce parking. Il y a la file indienne de voitures, toujours pas installée. Et ça a tardé, ça a mis au moins 3 quarts d'heure, 1 heure. Et en plus, il n'y avait pas énormément de stands, il y avait peut-être 10 ou 15 stands grand max. Et il n'y avait rien. Voilà, tout simplement, il n'y avait rien. Donc on va dire que officiellement c'est le premier vide-grenier de 2023 en vidéo. Et du coup, pareil, hein, pas énormément de trouvailles. L'avantage c'est que c'était près de chez mon frère. C'est le petit rituel de chaque année. Voilà, je viens embêter mon petit frère le temps d'un week-end en famille. On dort chez eux, je les lève super tôt, en tout cas je les réveille tôt. Parce que voilà, l'excitation de savoir, parce que c'est un très grand vide-grenier en fait, et c'est toujours très sympa à faire. Et du coup, j'ai retrouvé les copains. Il y avait énormément de stands, il y avait du choix, il n'y avait pas énormément de choses en niveau trouvaille malheureusement, mais il y a des petits trucs sympathiques quand même, d'où cette vidéo. C'est parti sur, en début de live vous le voyez, il y a un bac avec énormément de jeux de PlayStation 3 annoncé à 5€ pièce. Alors malheureusement je n'ai rien trouvé parce que soit les titres m'intéressaient pas, soit je les avais déjà, et du coup j'ai laissé passer mon tour, mais j'ai quand même trouvé, alors on le voit furtivement en live, parce que je voulais quand même le montrer, que j'avais trouvé quand même un petit truc, pour 50 centimes, un petit verre Amora de Astro, le petit robot. Alors celui-ci, je le vois jamais en fait, c'est la première fois que je le vois. D'habitude, je vois l'autre verre, je sais pas combien il y a eu de verres Amora Astro, le petit robot. Mais voilà, celui-ci, ça vient compléter un petit peu ma collection de verres sur les animes japonais de mon enfance. Donc ça, c'est cool, 50 centimes, on prend. Ensuite, sur un autre stand, il y avait quelqu'un qui proposait des jeux Dreamcast en boîte à 10€ pièce. Alors, suivant les titres, moi, j'ai pas pris parce que ça ne m'intéressait pas forcément. Parce que moi, sur Dreamcast, alors c'est une console que j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup surtout pour les jeux de versus fighting ou de shoot 'em up. Et là, il n'y avait pas vraiment de titre qui m'intéressait. Puis à 10€ pièce, je savais pas si c'était intéressant, pas intéressant, parce que bon, bah voilà, en boutique ou dans les caches, je sais pas combien ça peut se vendre. Donc du coup, ayant peur de faire une mauvaise affaire, j'ai préféré laisser passer mon tour. Mais dans une pochette de CD, il y avait quand même des jeux Dreamcast annoncés à 4€ pièce et des jeux PlayStation 1 à 1€ pièce. Donc du coup, j'en ai pris un pour tester avec mon fils. Je sais que c'est un jeu de tir qui se fait au pistolet, donc le Point Blank 3. Pour 2€, donc le CD en bon état, j'ai pas eu le temps de tester, j'espère que ça peut se jouer un petit peu à la manette, mais je pense que c'est pas ergonomique de jouer à la manette, donc il va falloir que je trouve un petit pistolet pour le tester avec mon fils. Donc c'est des mini-jeux auxquels on peut jouer, donc forcément avec un pistolet. Sur un autre stand, une dame vendait des jeux DS, 3DS. Alors j'en ai pris un parce que c'est plus l'éditeur qui m'a fait acheter ce jeu, mais je pense pas que j'y jouerai énormément. Donc l'éditeur, donc c'est Rising Star Games, et le jeu c'est Jewel Master Cradle of Egypt 2, je vais y arriver. Donc complet, 2€, alors j'ai pris vraiment pour l'éditeur, hein, je viens de le dire. Donc du coup, peut-être à tester, je sais pas, on verra. Ça se trouve, c'est le genre de jeu auquel je vais être vite accro. J'aime bien les petits mini-jeux comme ça, où on perd son temps, pratiquement 2 heures de sa vie. Bref, donc vraiment, c'est parce que c'est l'éditeur. Hein. Je sais pas si c'est un bon jeu ou pas. À tester, mais bon, pour 2€, je prends pas trop de risques. On continue avec un achat fait l'après-midi. Donc à force de demander toute la matinée, est-ce que vous avez des jeux vidéo? Donc il n'y a pas que moi qui a demandé, hein, je vous rassure, on était très nombreux. Les gens, forcément, comme ils sont devant chez eux, soit entre midi et deux ou en milieu de matinée, ou même dans l'après-midi, ils ramènent des trucs. Et c'était le cas, voilà, un petit achat de l'après-midi non filmé, malheureusement. Donc pour 1€, le Pikmin sur Wii. Alors, il manque la notice, le CD est plutôt en bon état, donc j'espère que ça va tourner. Donc moi je possède sur GameCube, je l'ai vraiment pris pour pouvoir y jouer avec mon fils sur Wii, avec la Wiimote, je pense que ce sera peut-être un peu plus jouable pour lui que sur GameCube, à voir. Mais bon, moi je ne le possède pas sur Wii, donc ça fera toujours un petit jeu en plus. Donc ça c'est sympa. Et on va finir donc par la trouvaille du jour. Très content parce que je recherchais justement la compilation, je sais pas si on peut appeler ça une compilation, mais en tout cas les 7 livres, avec ce coffret magnifique Harry Potter pour 15€, annoncé à 20, donc j'ai tenté une petite négociation à 15. Vraiment très 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 beau coffret avec des belles illustrations. Alors là, pour tout vous dire, ce sont les illustrations américaines qui sont très très belles, je trouve. Et c'est sorti chez nous en 2019. Alors eux, ça a été sorti ce coffret pour fêter les 20 ans de la saga aux États-Unis. Nous, ça a été sorti chez Gallimard un an après,
je pense plus d'un point de vue pécunier, parce que je crois qu'il n'y avait pas de date anniversaire cette année-là, en fin 2019 en tout cas. Et les livres sont très 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 beaux, tous en couleurs, et enfin, en tout cas au niveau des titres. Et si on les met les uns à côté des autres, apparaît un petit tableau, une petite fresque, très sympathique aussi. Donc je vous laisserai aller voir sur internet, hein. J'ai la flemme de faire ça, en plus j'ai que demain. Donc je les ai achetés parce que voilà, c'est un coffret limité en fait. Tout simplement, je le trouvais très beau, et puis il est limité, il y a 20 000 exemplaires, et moi j'ai le 13 217. Donc pas autant prendre, hein, surtout à 15 euros, parce que je crois qu'à l'époque, ça, d'après la dame, ça se vendait aux alentours de 70-80 euros. Donc autant les prendre, hein, ça fait 2 euros le livre, donc on prend. Surtout que mon fils pourra les lire un peu plus tard, parce que là il s'intéresse de plus en plus à l'univers Harry Potter, du fait, grâce au jeu Hogwarts Legacy, je vais y arriver. Et puis le fait qu'on ait aussi regardé les deux premiers films, donc il s'y intéresse un peu plus, et donc il va pouvoir les lire quand il sera en âge de comprendre un petit peu plus l'univers. Voilà, c'est fini pour ce compte-rendu de Vide-Grenier Live. Je vais y arriver, hein. J'ai perdu l'habitude moi, il va falloir que j'en fasse un peu plus de Vide-Grenier, en espérant de faire des trouvailles. Donc, comme d'habitude, le pouce bleu, le pouce rouge, les commentaires, dites-moi ce que vous avez trouvé de votre côté. Un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, si vous voulez surtout pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt, et de bonnes trouvailles à vous pour ces futurs vide-greniers. Au revoir.